Deuxième fois ce mois-ci. Mes clients sont suffisamment insatisfaits sans que leur cargaison disparaisse. Votre frustration est tout à fait légitime, monsieur. À votre place, j'exigerai une enquête approfondie. Si vous me le permettez, je vais m'en occuper. Je vais de ce pas m'entretenir avec monsieur de Saint-Maxent. Fort bien, monsieur Blanc. Au moins, je suis content de savoir que je peux compter sur vous. Mon garçon, la cargaison a été volée sur ce navire. Je ne suis pas plus en mesure de la récupérer que vous. Oui, monsieur, c'est en effet très troublant, je... quelle approche suggérez-vous ? Tout ce que je sais, c'est que ce diable a osé se faire passer pour moi et imiter ma signature. Imaginez son audace ! Désolé, monsieur, l'imagination n'a jamais été mon... fort. Si ce n'est trop, vous demandez, pourrais-je examiner vos registres ? Mes registres ? Allez interroger le capitaine ! Il y a de grandes chances qu'il soit aussi corrompu que ces hommes ! Revenez quand vous voulez. Êtes-vous le capitaine de ce navire ? Si. Capitaine Carlos Dominguez, à votre service. Est-ce que... je pourrais m'entretenir avec vous en privé, capitaine. Qui pourrait dire non à une si charmante créature ? Suivez-moi. Auriez-vous l'amabilité de me dire ce qui est arrivé à la cargaison de Monsieur de Saint-Maxent ? Pourquoi tenez-vous à le savoir ? Ah ! Ne vous inquiétez pas, mi Peking Anrel. Cette cargaison a été remise à son destinataire légitime. Vous prendrez bien un verre. J'ai là le meilleur vin de Madère que vos divines lèvres aient jamais goûté. Si vous insistez, capitaine. J'insiste. Vous ne trouverez pas meilleur cru dans tout le Nouveau Monde. Je suis intriguée. Vraiment.
Ils ont caché les marchandises dans deux entrepôts. Je vous suis grandement reconnaissant, mademoiselle de Grandpré. Mais comment diable avez-vous... Oh, peu importe. Dites à votre père que son aide lui fera bénéficier d'une remise assez considérable.